Chers amis, bonjour et bon dimanche même pour être plus précis. Bien puisque nous sommes dimanche, notre lecture des passages de l'Apocalypse lus pendant les messes de semaine s'arrête. Évidemment, nous avons eu de lundi jusqu'à samedi déjà 6 petites vidéos et nous reprendrons demain. Alors je propose de découvrir aussi un texte de l'Apocalypse et avant cela de vous faire un petit rappel de liturgie. Et une vision d'ensemble un petit peu des textes qui sont lus le dimanche concernant l'Apocalypse. Parce que je vous rappelle qu'il y a donc un lectionnaire de semaine et un lectionnaire du dimanche. Autrement dit, une répartition sur 3 ans de la Bible. Voilà, une petite partie de la Bible. D'ailleurs, petite parenthèse, s'il y a quelqu'un qui veut s'amuser à compter quel est le pourcentage des textes de la Bible que nous lisons le dimanche, ça m'intéresse, je peux vous donner la méthode. Je n'ai pas trop le temps de le faire, mais ce n'est pas très difficile. Il faut peut-être quand même compter 1 heure ou 2. Donc, en fait, on lit très peu de la Bible dans nos liturgies chrétiennes. Mais voilà, comment c'est réparti? Le minimum à savoir, c'est qu'il y a le dimanche une répartition des lectures des évangiles de Matthieu pendant une année A, l'évangile de Marc, l'année B, l'évangile de Luc, l'année C. En ce moment, j'espère que vous avez remarqué, nous étions dans l'année A, nous avons lu Matthieu toute cette année, et dimanche prochain, 1er décembre, nous ouvrirons l'évangile de Marc. Bon, ça c'est pour l'évangile. Les autres lectures, première et deuxième, eh bien ce sont des passages qu'on a piochés à droite à gauche, alors il y a des bonnes raisons, rassurez-vous, il y a toute une logistique pour voilà, explorer un petit peu la Bible. Mais comme je vous dis, c'est une proportion minime par rapport à tout le volume de la Bible. Alors, dans ces lectures choisies pour le dimanche, qu'en est-il de l'Apocalypse? Eh bien, il y a en fait 9 textes qui sont retenus dans ce lectionnaire, ils apparaissent à votre écran. Et comment sont-ils répartis? Eh bien, il y a 2 catégories, pour faire simple. Il y a les 6 passages que nous lisons dans une lecture suivie, l'année B, l'année C, pendant le temps pascal. Donc, comme nous lisons en semaine tous les jours de suite, ben là, on lit 6 dimanches de suite, quelques passages de l'Apocalypse. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie des textes, ils sont ce que j'ai envie d'appeler des électrons libres. C'est-à-dire que voilà, ils apparaissent ici ou là pour des raisons diverses. Le premier apparaît pour la fête du 15 août, la fête de l'Assomption. C'est un texte que nous entendons tous les ans. Tous les 15 août, c'est le même. Donc ça finit par rentrer normalement, l'histoire d'un dragon qui lutte contre une femme enceinte, qui met au monde un fils, qui ensuite se réfugie au désert. Voilà. On n'a pas commenté ce texte, vous pourrez aller voir ici ou là des commentaires qui existeraient. L'autre électron libre, le deuxième, c'est pour la Toussaint. Alors là, c'est pareil, tous les ans à la Toussaint, nous entendons ce récit de la vision de Jean qui voit une foule élue autour du trône de l'agneau, avec des palmes à la main, des robes blanches, et voilà, ça c'est une vision de tous les saints, c'est pour ça qu'on lit ça le 1er novembre. Et puis le troisième électron libre nous concerne un peu plus, vous allez voir pourquoi. Il s'agit d'un passage qui est lu pendant l'année B à l'occasion du Christ roi. Dernier dimanche de l'année, donc ça sera l'année prochaine. Mais en avant-première, si vous voulez, bah, je vous propose en cette fête du Christ roi aujourd'hui de lire aussi ce passage, ou plutôt de l'écouter. Dimanche du Christ roi, lecture de l'Apocalypse de saint Jean. À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi,
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et je vous propose trois pistes pour commenter un petit peu ce passage de l'Apocalypse. La première chose, c'est de souligner tout ce qui concerne la royauté du Christ, puisque c'est ce que nous fêtons en ce dimanche. Eh bien, on nous dit que le Christ est prince des rois de la terre. Voilà, vous prenez tous les rois de la terre entre eux, et il y a encore quelqu'un au-dessus, c'est le Christ, il est le prince, il est le chef, il est le dirigeant, on peut traduire ça de diverses manières. Il est au-dessus de la mêlée, il joue pas dans la même cour que les autres, voilà, il est hors catégorie, si vous voulez. Jésus, notre Seigneur, son règne, on nous dit qu'il n'a pas de fin, comme l'a pu le dire l'ange Gabriel à Marie à l'Annonciation. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Voilà, toutes les puissances humaines, qu'elles soient économiques ou politiques, elles passent, voire elles s'effondrent, même si parfois elles ont fait sentir leur pouvoir. C'est pas elles qui auront le dernier mot. C'est le Christ et son règne qui seront établis pour toujours. Et puis peut-être justement nous rappeler que ce règne du Christ, il est fondé sur sa résurrection. Il est le premier-né d'entre les morts. Voilà, pour la royauté du Christ, quelques notes que je voulais souligner. Et puis donc, à lui la gloire, à lui le règne, à lui qui nous aime. Et c'est le deuxième point que je voudrais regarder avec vous, c'est qu'est-ce qui est dit de nous? Eh bien, il est d'abord dit de nous que nous sommes aimés du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors, que pourrions-nous craindre? Et je vous rappelle que celui qui écrit ça, c'est Saint Jean, en exil sur l'île de Patmos. Il aurait des raisons de douter de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu pour lui, de se sentir abandonné, oublié de Dieu. L'épreuve, la persécution, ne lui font pas douter de l'amour du Christ. Et c'est comme ça qu'il commence. Le Christ nous aime. C'est d'ailleurs au présent. C'est d'ailleurs le seul verbe au présent dans ce texte. Le Christ nous aime. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des prêtres. Voilà ce qui est dit de nous aussi. Et je vous propose de le commenter en deux points. D'abord, prendre la mesure du salut que le Christ nous a offert par sa croix. Je suis frappé dans l'Apocalypse par l'importance du sang de l'agneau. Là, il nous a délivrés par son sang. L'agneau immolé, c'est dans son sang que les élus ont lavé leurs robes. Ce qui est paradoxal, laver une robe blanche dans du sang, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça dit que le Christ seul, par sa croix, par sa vie offerte, eh bien, a pardonné tous nos péchés. C'est à lui que nous devons notre salut, notre sainteté et la vie éternelle. Nous l'oublions pas, c'est souvent rappelé dans l'Apocalypse. La deuxième chose, c'est que Saint Jean parle de prêtre et de roi. Peut-être pas des termes qui nous parlent beaucoup aujourd'hui. Ils étaient très présents dans la culture biblique. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, quand Dieu va parler à Moïse pour le peuple, le choisir, lui donner les tables, Dieu dit qu'il veut faire d'Israël, enfin, du peuple hébreu, une nation sainte, un royaume de prêtres. Voilà, un royaume de prêtres. Bon. Ce sont des termes qui seront repris par Saint-Pierre dans sa lettre, qui parle d'une nation sainte, d'un sacerdoce royal. Voilà, on retrouve les mêmes termes, les deux pôles de la royauté et du sacerdoce, roi, prêtre. Alors ce sont des mots qui doivent quand même vous rappeler quelque chose si vous êtes baptisé, puisque c'est sur votre carte d'identité, vous êtes prêtre, prophète et roi. Prêtre, roi, on va commencer par roi. Roi, ça veut dire celui qui gouverne parce qu'il est libre. Voilà, le contraire d'un roi, c'est un esclave. Et nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés de la peur de la mort.
Et nous sommes rois, voilà, nous sommes quelque part maîtres du monde, parce que puisque nous sommes sous la protection de Dieu, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Même la mort ne nous fait pas peur, si je puis dire. Voilà, et surtout, nous sommes appelés à régner comme le Christ, n'oublions pas, c'est-à-dire à faire advenir ici-bas la paix, la justice, l'amour. Voilà, notre liberté, elle est pour servir le dessein de Dieu, le projet de Dieu. Et c'est une grâce qui nous est faite pour les autres. C'est la même chose pour les prêtres que nous sommes tous. Être prêtre, c'est jamais pour soi, c'est pour les autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêtre, peut-être d'abord relier le ciel et la terre. Ça, c'est facile à imager. Le prêtre, c'est celui qui offre à Dieu la prière, la louange de tous les hommes. Et donc, voilà, par notre vocation chrétienne, nous sommes appelés à rendre à Dieu tout honneur et toute gloire, comme on le fait à la messe, là, par lui, avec lui et en lui. C'est là que nous sommes tous prêtres le plus, et vous dites Amen bien fort parce que vous sentez que c'est là que s'exerce votre sacerdoce de baptiser. Être prêtre aussi, c'est faire descendre sur Dieu la bénédiction, la grâce, pour tous les hommes, pas seulement pour nous, mais pour tous les hommes, c'est le sens de l'intercession. Et c'est le sens de la prière de l'Église, matin, midi et soir, la liturgie des heures que nous découvrons ensemble pendant ce temps de confinement, ou du moins que nous faisons partager. C'est vraiment cette dimension sacerdotale de l'Église et des prêtres en particulier, mais ça ne nous est pas réservé. C'est votre sacerdoce de baptiser aussi que vous avez à exercer. Voilà, des prêtres et des rois. Le Christ a fait de nous cela parce que c'est sa vocation à lui d'être roi, d'être prêtre. C'est le seul vrai roi, c'est le seul vrai prêtre. Mais il nous fait participer à son offrande de lui-même, pour établir un règne de paix. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce que Jésus a fait de nous, dans ce texte en tout cas. Et je terminerai en évoquant sa venue, puisque c'est ce que fait l'Apocalypse. Voici qu'il vient avec les nuées, ça veut dire dans la gloire, accompagné de tout le mystère de sa divinité. Tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Voilà ce qui me frappe ici, c'est l'universalité de cette vision du Christ en gloire. Voilà, c'est plus seulement ceux qui le connaissent, ceux qui ont la chance de le connaître, c'est toutes les nations qui seront devant lui et qui seront invitées à choisir, sans doute. Et ce qui me frappe aussi, c'est que on parle encore de la passion. Voilà, celui qu'ils ont transpercé. C'est bien ainsi que Jésus se révèle, même dans sa gloire, parce que sa gloire, c'est de nous avoir aimés jusqu'au bout. La gloire, c'est le rayonnement de son amour qui se manifeste le plus parfaitement sur la croix, paradoxalement. Donc la gloire de Jésus, elle est manifestée sur la croix. Et quand Jésus vient en gloire, nous voyons ses blessures. Et notre réaction, c'est de se lamenter. C'est étonnant. Alors on se lamente sur lui. Alors dans quel sens? Moi, je l'entends au sens où Saint François ou Saint Dominique, je ne sais plus, disait en pleurant, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé, en se disant, voilà, Dieu, le Christ, Jésus ne sont pas aimés ici-bas par les hommes. C'est désolant. C'est désolant. Et peut-être justement, en voyant Jésus dans sa gloire, en voyant ses blessures, nous prendrons la mesure de notre ingratitude, de nos infidélités, de notre tiédeur. Voilà tout ce qui, dans l'Apocalypse, blesse le Seigneur. Nous le verrons et nous serons désolés de nous-mêmes. Alors, c'est pas pour rester dans la désolation, mais c'est sans doute une étape salutaire pour accueillir vraiment le salut de Dieu comme une grâce inouïe. Si nous, on trouve qu'on est bien, qu'on est parfait, et puis on se dit, bah, c'est normal que Jésus m'aime, hein, moi je suis quelqu'un de bien. Ben, je pense qu'on a une vie chrétienne qui est très plate parce qu'on ne prend pas la mesure de la grâce que nous avons reçue. Et voilà, ça ne suscite pas chez nous, je pense, un grand désir de lui répondre. On dit c'est normal, il n'a fait que son boulot, il m'a aimé. Bon, et puis je termine avec le texte qui parle de l'alpha et de l'oméga. Alors c'est Dieu qui parle ainsi, le Père, j'ai envie de dire. On le retrouvera en Apocalypse 21, 5, 7.
c'est encore Dieu le Père qui se présente ainsi. Mais la dernière mention, en Apocalypse 22, 13, eh bien c'est Jésus qui se l'attribue. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors on fait bien de mettre ça sur notre cierge pascal, parce que le Christ ressuscité est bien celui qui éclaire tout du début jusqu'à la fin, qui tient tout dans sa main du début jusqu'à la fin, donc jusqu'à aujourd'hui, fête du Christ roi, et jusque dans nos vies. Je vous rappelle que le cierge pascal, nous le mettons au baptême et à notre sépulture, c'est pas pour rien, toute notre vie, nous voulons la passer dans la lumière du Christ, sous son regard qui nous aime. Et je vous propose de terminer cette petite causerie de ce jour en vous lisant la préface de la messe d'aujourd'hui. J'espère que vous entendrez des mots que j'ai pu commenter. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père, tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, comme un agneau, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de justice, pardon, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.